Donc salut YouTube, on se retrouve ce matin aussi pour faire le Forzathon qui se termine jeudi. PFPF, allez, on démarre Forza. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec? On doit faire un 300... Je pense qu'on doit faire les 300 rushs, juste les éclater, mais c'est juste un avis personnel. En tout cas, pour ceux qui regarderaient plus, qui regarderaient YouTube plus que là, ceci, il y aura des trucs qui seront coupés, je pense. Mais comment ça? Mais le truc, c'est que je ne dois pas pouvoir régler... Ah, je peux régler mes rapports. Je peux régler mes rapports. Je suis juste incroyable. Hop, donc j'espère que vous passez un bon lundi après-midi, lundi matin, pour ceux qui seraient là. Ou un autre jour, si vous regardez la rediffusion. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être coupées en rediff. Par exemple, tous les essais foireux, là, ça va tout être, je pense, je vais garder, bah, peut-être pas dire les meilleurs moments. Un petit peu aussi. Et il me faut deux victoires, j'en ai pas une seule. Hein. Pour l'instant. Et encore, je me déplace pas. Mais ça, ça va être coupé aussi si je me déplace pas. Si j'ai besoin de faire 12 km, ça va être accéléré. Peut-être pas coupé, mais. Nickel, on est bon, on est bon. Allez, nickel, bon, on est bon. Là, c'est fou. Allez, go. On est bon. On a gagné. D'ailleurs, là, c'était sucré. J'ai nettoyé mon tapis. Et franchement. Là, en gros, je crois que je l'ai jamais fait. Depuis que je l'ai, ça fait 4-5. Et bah, j'aurais dû le faire avant. Et sincèrement, là. En fait, le truc, c'est que je savais pas comment le faire. Le truc, c'est que je savais que je devais pas le mettre à la machine. J'ai regardé une vidéo qui parlait de ça, justement, d'une, c'est pour quelle raison. Et en gros, qui disait qu'on devait les laver à froid. Chose que j'ai faite, parce que je l'ai lavé à la main. Je l'ai lavé à la main et en plus à froid. Mes mains s'en souviennent un peu.
Et en gros, j'ai quand même réussi à rattraper 80% du machin. Il a presque retrouvé l'intégralité. Il y a quelques endroits où, bon, c'est encore un peu crade. Je le referai peut-être la semaine prochaine. Histoire de pouvoir finir la propreté de tout ça, là. Il y a quelques endroits où c'est pas revenu impec. Mais, voilà. En bref. Et je vous dis que ça glisse comme au premier jour. Et franchement, c'est plutôt cool. Allez, on se fait cette dernière course. C'est exactement la même. Maintenant que j'ai l'habitude, on va pas se faire chier. Je connais maintenant le circuit. Réaliser un combo de 15. Dépassement triple. On est pas mal. Allez, Ford GT. On va derrière. Elle a quand même déjà des bons freins, on va dire, la LFA. Aïe. La LFA, elle a des bons freins. Aïe. Mais là, en gros, c'est vrai que sur l'enregistrement, ça risque d'être pas trop mal. Et en gros, j'ai séparé toutes les pistes. En gros, quand je vais mettre dans mon logiciel de montage, je vais avoir les 6 pistes disponibles sur OBS. Donc, il y en aura une où il y aura le son des alertes. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose dessus, pas fou. Il y en aura une où il y aura le son de la voix. Il y en a une où il y aura le son du jeu. Et je crois que j'en ai même mis une où il y aura le son de la musique dessus. Donc pour vous dire que je pense que les sons seront réglés aux petits oignons sur la rediffusion. Bim, allez hop, ça c'est mangé. Donc voilà. Après, le seul truc c'est qu'on PC galère un petit peu le deuxième. Pourtant, non, il devrait pas trop galérer. C'est quand même un Ryzen 7 5700G qu'il y a dedans. Donc, pour l'instant, c'est toujours de dernière génération. Dire de ce que j'ai compris, pour ceux qui. Ils vont pas tarder à changer les sockets des AMD. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que en gros, normalement, bah, en gros, qu'on fasse deux générations sur le même socket, pourquoi pas. Mais tu peux pas en faire éternellement. Parce que en gros, la technologie évolue d'une certaine façon. En gros. Que les processeurs
mission, je l'avais déjà. Allez, c'est fini. On a fini ça. On va... On va faire les trucs comme ça. Je sais pas comment faut sauter sur ce gars. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Après, on fera les championnats. Donc, s'il y en a qui veulent venir jouer avec moi, il y a zéro sur taille. Mais, bon. Allez, allez, allez. Hop. Donc, il faut quoi ? Hot Rod and Custom en C. On va aller chercher ça. Hot Rod and Custom. Merde, c'est pas ça. C'est là. Alors, Hot Rod Custom. Hot Rod and Custom en C. Il faut faire combien ? Après, si c'est facile à faire, on va peut-être trouver un petit réglage. Alors, ok, d'accord. Mais le truc, c'est qu'il tourne que dalle. Un petit bruit, il est courbe, hein. D'où Jésus, il bruit, hein. Chez chou, chez brille. Les chromes, qu'est-ce qui brille? Un mètre? Comment ça? Go. On y va. Par contre, c'est vrai qu'après, il y aura quand même le titre de la musique et tout. Ça me fait un peu chier. Sur le record. Mais bon. Pourquoi elle est revenue? Oh, voilà, ça devrait aller quand même. C'est bon.
Alors. Un peu mais pas trop, j'aime pas trop qu'on coupe. Ouais, j'ai réussi là. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai demandé qu'on gratte là. Dans un véhicule que j'ai déjà custom, je crois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment juste le truc. En fait, faut pas que je le. En fait, le truc, c'est que si je voudrais, je pourrais le faire autrement. Parce qu'en théorie, si je voudrais, je pourrais mettre un. What the fuck? What the fuck? Mais c'est quoi ça? En fait, c'est un truc à la con, quoi. Tu gagnes quoi qu'il arrive. Ah, ok, d'accord. Ils ont voulu s'inspirer de GTA, non? Ok, d'accord. Ouais. Mais vu qu'il n'y a pas de joueur, c'est comment? Je sais pas. J'essaie de mettre au-dessus, en fait. En fait, t'es obligé d'être premier, quoi, et de gagner, quoi. Qu'il y a un timer, peut-être qu'il faut faire moins de temps de temps. Il y a encore le fauve à la fenêtre. Il est relou ce chat. Ouais, ok, d'accord, ouais. Hein, ici. Hein. C'est quoi ce loup? On voit pas bien. Que dalle.
comprends rien du tout. Attends, X. Ben non. Ah ok, d'accord, en fait tu dois monter là-haut et t'arrives à la fin. Et juste après de la fin. Oui, nom de Dieu. De changer de voiture. Mais tu sais que... Il était devant moi, lui. C'est vraiment de la merde. Nickel. Nickel. Le championnat commence bien. J'ai 10 heures.
On est pas mal, on est pas mal. On est bon, on est bon. On est bien. Allez hop. Un petit saut par là. Un petit saut par ici. On tourne par là. On va dans l'eau ici. D'ailleurs, j'ai vu, ouais, qui, bah, je pense que je vous en ai déjà parlé. En gros, sur, comment ça s'appelle, sur OBS, ils vont rajouter dans la prochaine mise à jour des filtres, je crois, d'association, on va dire, comme il y a sur After Effects. Je sais pas si ça y est sur Photoshop, mais c'est possible aussi. Et sur Premiere, les modes addition, tout ça, pour pouvoir en gros, c'est pas un cache alpha, un cache par luminance par exemple, des caches par luminance, c'est pas pour ceux qui connaissent un petit peu. Hop. Allez, dernière course de ce championnat, donc premier championnat bientôt terminé. Alors moi, mon but, c'est vrai que dans ce genre de championnat, dans ces championnats en règle générale, j'ai fait auparavant tous les autres championnats ou presque. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de... Mais bon, j'en ai peut-être pas encore fait assez, on va dire. Mais d'en faire suffisamment des voitures pour qu'à chaque championnat, j'ai plus à faire de voiture en fait. Mes voitures seront déjà prêtes, il me restera plus qu'à reprendre mes anciennes voitures et tout sera bien. Après, en théorie, je pourrais déjà le faire maintenant. En fait, je fais une voiture de chaque catégorie en tout terrain et en route. Et dans l'an, j'aurai assez et en chaque classe. Et normalement, je peux arriver à faire la sauce, quoi.
je peux faire la source. Il y a juste pour les coups de pub où ça pourrait être un peu plus compliqué. On reste compétiteur. Et qui me colle. Hein. Oh! Après, en théorie, je peux être deuxième, c'est pas le problème. Mais je le serai pas. Hein. Hop, voilà, c'est fait. Mais. J'ai pas vu en fait le deuxième étendard. Et pour moi, c'était pas ici que ça allait se passer, mais là. Là où j'ai en fait, à départ. Mais c'est vrai que le problème de cette caméra, de ce webcam, c'est qu'elle est pas... La fluidité, je trouve qu'elle est pas lente. Elle fait très bien le boulot, elle fait plus que bien le boulot. L'image, elle est super propre et tout. Et l'autre problème, c'est que je suis obligé d'avoir toujours mes spots à 100%. Si je mets 50%, vous allez voir le picking en fait qui va se faire parce que les lumières en fait, quand je mets mes lumières en dessous de 80-90%, elles sont là pour moi. La luminosité suffirait ici, la luminosité serait suffisante, sauf que j'ai du picking. Après, je peux régler avec ça, Parce que c'est vrai qu'on a une chose qui est intéressante, c'est qu'on a la lumière du jour qui est un très très bon allié. Mais le problème, c'est qu'elle éclaire qu'un seul côté. Elle éclaire pas tout. Gros problème. Mais voilà, c'est relativement correct quand même. Donc c'est fait que quand je stream le matin, je suis obligé de réduire. Et quand je stream le soir, j'ai oublié de remonter. Après, ça dépend quand c'est que je stream le soir. Enfin, l'après-midi, plutôt. On dirait pas forcément le soir. Alors. Allez, pas le temps de niaiser. On passe à la suite. On va garder ça pour la fin. En plus, c'est une course de rue, c'est de la merde. J'aime pas les courses de rue. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais en fait, moi, je pense que c'est tous pareil. On n'est pas assez dirigé, je trouve. En vrai, c'est un point de vue, quoi. On va garder les courses sur terre pour la fin. Je sais pas si elle est stock, mais je crois pas qu'elle soit. Non, elle est pas stock. Pas avec des pneus comme ça. Par contre, elle a l'air vachement haute, non? La garde au sol a l'air vachement haute. Ouais, c'est peut-être pas mon style, c'est pas moi qui ai dû le faire.
Ça doit pas être moi qui l'ai fait ce... ce truc parce que j'ai... Oh. Parce que... il y a l'arceau de sécurité je crois dessus. Et l'arceau de sécurité c'est très très rare quand je le mets. C'est vraiment pour me faire perdre un peu de classe, on va dire. Pour pouvoir mettre autre chose derrière. Quand je peux. En fait, pour bidouiller, pour arrondir ou quoi. Donc ça doit pas être moi qui ai dû le faire. J'ai vraiment fait de la merde. Là, j'ai... Pourtant, j'ai vu que j'avais un virage après derrière. Mais j'ai pas... Ouais, nickel. Nickel. J'espère que vous entendez pas trop l'aspirateur derrière. On y arrive. Pardon. Un peu trop. Non, il n'y a pas d'un peu trop. J'essaie juste d'un peu m'étirer. C'est tout. C'est vrai que c'est pas... Mais là, en gros, j'ai pas mal de cadeaux, en fait, vous voyez. Allez, à la suivante. Allez, là. Bon, de toute façon, je paye. Enfin, ça me fait un chargement, mais... Après, il est pas très long. Surtout que là en plus je crois que je suis je sais plus sur quoi il est. Je crois qu'il est non, il doit être juste sur mon SSD. Je crois qu'il est juste sur mon SSD là, mais donc j'essaye de voir ce que ça donne si je le mets sur le FPM. Donc perso, c'est vrai que j'aimerais bien mettre un M2, un autre M2. Pour me servir de stockage pour les jeux vidéo en fait. Et pourquoi pas garder les autres SSD aussi, mais... En fait, le problème, c'est que... Après, maintenant, ça devient...
Même les SSD standard en 2 pouces 5, c'est vraiment has-been, je trouve. Enfin, c'est pas has-been. Mais en tout cas, les gros disques durs 3.0 et dégueulasse physique, on va dire, ils commencent vraiment à décliner de ouf. Malgré que, il y a quelques temps, j'avais entendu parler qu'ils travaillaient sur des nouvelles technologies en termes de disques durs qui seraient beaucoup plus intéressantes. Peut-être pas beaucoup plus intéressante, mais aussi intéressante que d'avoir un SSD en tout cas. En 2 pouces. Enfin, les petits SSD quoi. Des SSD standards, pas des NVMe. Mais des standards branchés en SATA. J'avais lu ça il y a quelques temps. Ils travaillaient sur des technologies qui pouvaient rivaliser avec. Qui pourraient rivaliser avec. Les SSD standards en SATA. Parce que, en tout cas, sur les NVMe 4.0, tu peux pas rivaliser, quoi. Mais sur les SSD standards en SATA, tu peux. En fait, le gros problème, c'est les câbles. C'est le gros problème du truc, quoi. Les câbles, en fait, c'est ce qui nous ralentit. Le câble. Le câblage. Je pense pas qu'avec un câblage, tu puisses arriver à ce que tu peux faire avec un NVMe. En tout cas, je pense pas. Après, peut-être hein, qu'on peut. Je sais pas s'il y a une technologie. Enfin, pas une technologie, c'est des câbles SATA peuvent transporter plus de 4 mégabits par seconde. Ou 4000 mégabits. Je sais pas combien c'est en fait. Non, c'est 4000 mégas. Je sais plus combien c'est, mais c'est 4000 qui. Donc c'est 40 mégabits peut-être. 40 mégabits par seconde. Que les NVMe, en gros, les NVMe, ils le font tranquille. Mais je crois qu'un SSD standard SATA ne peut pas le faire. Il pourra jamais le faire. Et le gros problème, c'est le câble SATA, en fait. Ce qui arrive à être un gros problème, c'est les câbles SATA. Après, il y a peut-être des câbles SATA qui sont haute performance. Où tu peux faire des transferts de données aussi importantes que ça. Mais. Pardon. Mais. Peut-être, je sais pas. Hein. Je suis pas. Je suis pas un connaisseur à ce point-là en informatique. On va dire que je me débrouille et j'y vais à tâtons. En fait. Enfin, je vais essayer autodidacte, on va dire, pour beaucoup de choses. Non. En fait, je sais pas si on peut dire autodidacte, parce que j'apprends seul, on va dire, mais en regardant des tutos, des vidéos tutos, et tout. Donc j'apprends quand même tout seul, sur le terrain, non sur le tas, mais je sais pas si on peut considérer ça quand même encore comme de l'autodidacte. Parce que en soi, en regardant des tutos, t'as quelqu'un qui t'aide, que tu le veuilles ou non. Donc je sais pas si on peut. Après, je suis pas. Bien. C'est que dans la façon de faire, je. Comment dire. Je suis pas obligé de regarder toute sa vidéo non plus. Toute la vidéo de la personne. Mais. Après, est-ce qu'on peut considérer ça encore. Je sais pas. Je sais pas sur quoi on peut. On peut appuyer le fait de l'autodidacte, en fait. Parce que pour moi, en soi, je me considère quand même comme autodidacte, parce que j'ai pas de professeur attitré, on va dire. C'est moi qui cherche ce que je veux et apprendre, et puis j'apprends ce que j'ai envie d'apprendre. Mais par contre, est-ce qu'on peut dire que je suis autodidacte? Parce que je m'aide quand même de beaucoup de tutos sur YouTube ou Twitch ou autre. En fait, c'est pas Twitch. Là où je regarde le plus de stream qui a un tuto, on va dire, c'est plutôt sur YouTube. Même si je regarde quand même. Ça m'arrive de regarder un streamer qui monte des PC, qui s'appelle SurPC. Pour moi, c'est un très bon streamer. Bon.
Il répète un peu souvent les mêmes choses, mais je conçois qu'il le fasse. En tout cas, si vous regardez tous ses streams, ou en grande partie, la grande partie de ses streams, il répète, mais je trouve ça normal. Le fait qu'il répète, je trouve ça normal. Pas forcément du point de vue... comment dire, mais je trouve ça normal. Comment dire, c'est normal, mais c'est pas normal. Enfin, qu'il répète toujours la même chose, c'est pas forcément normal pour certaines personnes. Mais moi, je trouve ça normal en tant que streamer. Et même en tant que... Surtout, on va dire plutôt en tant que streamer dans ce domaine-là. Parce que son domaine à lui, c'est de monter des PC. Il fait tous les jours, là, dans tous ses streams, il monte des PC. Ou il parle de PC. Donc, dans des termes comme ça, c'est dans des trucs assez éducatifs, on va dire. Et assez... t'as une structure, t'as quelque chose de solide, de technique. T'es obligé quand même d'expliquer ce que tu fais. Parce que tu peux avoir des gens qui vont venir pour apprendre, pour... ils vont venir pour dire bah je suis là, j'aime bien ton contenu, voilà, il explique bien en soi, c'est un voilà, mais oui, en fait c'est, il répète à tous ses streams, il répète les mêmes choses, mais je comprends pourquoi il le fait, parce qu'il a pas tous les jours le même public, ou à tous ses streams plutôt, on va dire, ou à tous ses streams, etc, etc. Voilà, moi je trouve ça normal en tant que streamer qu'il fasse ça. Et même en tant que viewer aussi. Après, chacun voit midi à sa porte, on va dire, mais moi, c'est, moi je, voilà, clairement, c'est ça. Après, voilà. Vous pouvez trouver peut-être que je suis un peu... Non, c'est pas arrogant. Je sais même pas comment on peut qualifier ça. Mais moi, je trouve pas que ce soit mauvais en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai que je peux utiliser ? Allez, go, on y va. On commence le dernier championnat. Après, il faudra qu'on fasse le test et on verra après si je fais la suite ou pas. C'est vrai que c'est un peu dommage que je le fasse avec ça. Mais après, je crois que j'aurais pu prendre la mini standard. J'étais pas obligé, je crois, de prendre cette mini là. En fait, c'est une mini. Une mini, quoi, c'est la marque. J'aurais pu prendre une mini qui aurait été peut-être plus adaptée à ce genre de truc rallye que ça qui est plus sur du rallye raid. Donc, adapté quand même. Mais c'est quand même plus pour faire du off-road que des trucs comme ça. Ouais. Là, j'ai plus été ralenti qu'autre chose, mais en voulant couper un petit peu. Je passe la troisième. Chiant. Aïe.
Mais non, mais tu vas où toi? Aïe. Ah ouais, tu vois, c'est vrai que sur Forza Horizon 4, je reprochais peut-être un peu trop de manque de terre sur les courses de terre. Mais là, franchement, sur ce jeu, ils ont bien compensé le truc. Il y a limite, à part dans le Gauntlet, qui est aussi une course sur terre, mais c'est le coffre des courses sur terre, où il n'y a pas trop de terre, en fait. Mais sinon, on va dire que dans la plupart des courses de terre, il y a pas mal de terre. Justement. Non, mais je vais voir si j'ai pas de mini qui traîne et de lui faire un petit set justement pour faire du rallye du rallycross. Ce sera plus intéressant. Que de rouler avec ça là. Pas mal, mais c'est plus fait pour gripper au sol et que ce soit bien, alors que moi je vois que ça glisse un peu dans les virages, un peu comme ça mais en mieux quoi. On va voir ce qu'on peut faire, parce que je crois que le truc c'est juste les mini peut-être. Et j'ai pas de mini, les mini, hein. Là j'ai pas de mini, il y a trop une, mais elle est pas à ce niveau là clairement. Fort, donc voilà. Donc voilà, voilà. Après, yep, pam 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 pam. Et ça, c'est vrai que ça peut être adapté au rallye. Même s'il y a des pneus de 4x4. Nickel. On est bon, on est premier. Allez, je suis un peu concentré, donc je pense que c'est pas top. Désolé. Hein. Oui, on s'est sur du classe B, donc ça dérape pas tant que ça. Après, je pense que petite lâche pour avoir de trucs, c'est pas ouf. J'aurais peut-être pas dû mettre. Mais ça va plutôt bien. Mais ça, c'est mieux, je pense, que du. Quoi que je sais pas. Mais je pense quand même que ça aurait été mieux sur. La.
la course de... Enfin, comme ça, de route, quoi. Donc de rue ou sur route, ça serait bien passé, je pense. Je sais pas si en tant que tel, en vitesse de pointe, ils sont pas mieux que moi. Après, j'ai rien réglé. Hein. Tant qu'en termes de réglage. Mais moi, mes voitures, en règle générale. Bah. Après, si je vois que tu galères un peu, je fais 2-3 bidouillages en réglage et ça passe. Je change un peu le carrossage, les régimes, etc. etc. Les hauteurs de caisse, mais là, ça sert à rien d'avoir une hauteur de caisse qui soit très basse. Parce que... Elle est où la dernière? La dernière course. Où est la dernière course? Là, j'ai pas fini encore, si? Non, j'ai pas fini. Allez, go. Le truc qui est un peu con, c'est que, en gros, j'ai. Ah, c'est vrai qu'il y a celle-là aussi qui pourrait être pas mal. Celle de 73, celle qu'en gros je vais gagner à la fin, je crois. Je pense qu'en termes de vitesse brute, ils sont peut-être meilleurs que moi, même en termes d'accélération. Après, moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est ma stabilité. Parce que vu que, bah après, il y a d'autres. Par rapport à celle de devant, là, moi par exemple, j'ai une voiture qui va être plus stable. Elle va pas twerker dans tous les virages et tout, à chaque fois que j'accélère et tout. Mais elle va avoir des suspensions qui vont rester assez stables. Chose que eux n'ont pas, quoi. Moi je pense qu'encore en classe B j'étais peut-être pas obligé de mettre les pneus et j'aurais peut-être mettre d'autres améliorations un petit peu mieux que celle-là. Bien que je garde ma carte quand je vais sortir du tunnel. Et j'ai pas regardé la carte. C'est entre le brouillard et le fait que. Oui, surtout le brouillard. Et que je sorte du tunnel. L'un plus l'autre fait que tu ne vois pas quand tu sors du tunnel. Non, franchement, la voiture, de toute façon, je la rate pas ça. Le boulot, quoi. Cette course, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de terre que ça en fait.
En fait, t'as un peu plus de grip avec ces pneus-là. Mais c'est bizarre d'ailleurs. T'as un peu plus de grip avec ces pneus, mais par contre. Et par contre, ils te donnent moins de classe. La classe est moins importante. C'est étonnant. Mais je pense que l'autre, les autres pneus, en fait, tout iront normal. Elles adhèrent peut-être un petit peu plus sur le goudron et tout ça. Que celui-là, il va adhérer plus sur la terre et pas forcément plus sur le goudron. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La troisième fois, je pense, ouais. Mais tout à l'heure, au premier tour, je savais où je devais aller parce que j'avais des mobs devant moi. Mais rien, quand t'as plus de mobs devant toi, tu fais comment? Si t'as pas retenu le truc, ouais, tu te prends le mob. Mais bon, c'est pas mal. Après, je pense pas que j'aurais eu besoin forcément d'avoir des pneus 4x4, mais... Et après, j'aurais peut-être pu améliorer un peu plus le moteur ou le freinage. Mais peut-être plus le moteur. Ouais, mais bon, ça passe, mais là, ça reste. Et je pense que sur les 3 tours, si on compile les 3 tours, je pense que j'ai de quoi faire un tour correct. Parfait. Ah oui, puis ça aussi. Là par contre, ouais. Voilà, la dernière course du championnat. Enfin, des championnats, parce que là c'est. Oh! Tiens, c'est un truc de ouf. Là, depuis quelques jours, là, j'ai un peu mal au dos. On est tous à 700. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est celle-là qui me font gagner. Je pensais que c'était la vieille mini. La vieille mini. En fait, le truc, c'est qu'à la fin, une fois que tu as tous les klaxons et tous les vêtements, tout ce qui te reste à gagner, c'est de l'argent et les voitures. Parce que les voitures, c'est les seuls trucs que tu peux avoir en plusieurs exemplaires. Alors, comme dit précédemment, on a gagné 3 super wheel spin. On va tourner maintenant. Je sais pas si j'ai dit maintenant ou le plus que j'avais dit tout à l'heure. Ok, nickel. Ça, c'est pas des trucs que je couperai au montage. 377, je crois que je l'ai pas la 370. Non, pas la 370. Ah, dommage. Mais je l'ai déjà la Aston Martin. J'ai eu qu'une voiture, quoi. C'est dingue. Alors, on va aller dans le festival, on va aller ici, donc il nous reste le test à faire. Il va falloir que j'aille faire ça. On va se faire ça vite fait. Donc la petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le truc, faites ça. Hop, vous descendez tout en bas, voilà, pour monter un peu histoire de dire, bon, voilà. Et hop, vous allez tout en bas. Il y a forcément un glandu qui sait pas jouer. Ou qui l'a fait exprès peut-être pour les autres, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est
pas forcément quelqu'un qui sait jouer, qui a mis 14 minutes ou 10 minutes pour faire le truc, donc vous allez pouvoir faire le tour tranquille, sans vous faire chier. Pardon. Je voulais pas dire qu'il y avait des nuls sur le jeu, mais... Donc désolé pour tous ces gens-là. Allez, go! Après, faut reconnaître qu'on n'est pas bon. Moi, je ne suis pas non plus. Pas mauvais, mais je pense que je suis pas excellent du tout. Ah bah oui, ça commence bien. Par contre, je sais pas si les poteaux... Non, les poteaux, c'est pas considéré comme une collision. Ça n'a pas l'air. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour faire vite. Hein. Je pense que je le ferai peut-être en accéléré sur YouTube. Propulsion, donc elle part du cul, normal. Même si je vais pas très vite, le fait d'accélérer après un virage va partir du cul. C'est le gros problème des propulsions. Et de même pour les tractions, mais c'est pas le même genre de problème. En fait, d'accélérer trop tôt dans un virage, pas forcément trop tôt, mais un peu trop fort. Après, il faut bien connaître sa voiture. Mais en gros, si t'accélères trop tôt dans un virage avec une traction, tu vas aller tout droit. En gros, ta voiture elle va s'arrêter de... En gros, tes pneus ils vont patiner pareil que là, mais tu. Bon, en gros, ta direction ça va être. Hop, tout droit. En gros, c'est tes pneus arrière qui vont guider la voiture et. Et en gros, tu vas. Tes pneus arrière vont guider la voiture, mais tes pneus avant guident plus. Donc, tes pneus avant ils vont tout droit, ils vont glisser. Et tes... en gros, c'est tes pneus arrière qui vont servir de direction et tu vas aller. C'est comme ça que ça marche. Merci. Ouais. Donc voilà. Alors qu'avec l'arrière, t'as le cul qui part, mais t'as encore quand même la possibilité de guider un peu. Prenez le virage serré à droite. Ouais, dedans. Faites demi-tour dès que possible. Il est là. Il est là. Voilà, ça c'est fait. Donc il me reste plus que le test au pire. Ouais, le test. Alors, go le test. Trouver une équipe, ouais. Ah merde, non. Ah bah si, quoi. On va aller chercher vite fait la voiture. Dans l'esprit d'Horizon, non? Est-ce qu'on envoie des remerciements? Ça dépend ce que c'est. Je crois qu'il y a une nouvelle mise à jour de... des Windows qui arrive. Windows.
Fiat. C'est un peu con ça. Après, je sais que de toute façon, le Ferrari appartient à Fiat. Non. D'ailleurs, je pense, je sais pas si. Je sais pas l'histoire finale. Mais. Parce qu'en gros, Henry Ford, qui est le créateur de Ford à l'époque, hein, avait dans l'intention de racheter Ferrari. Et Ferrari lui avait dit oui au début, mais après il s'est rétracté, etc. etc. Et en gros, Henry Ford a tellement eu les boules qu'il lui a dit, mon coco, enfin, qu'il lui a dit, il l'a peut-être pas dit clairement, mais il lui a fait comprendre, là mon coco, tu gagneras pas, tu gagneras pas les 24 heures du Mans. Je vais tout faire pour que tu perdes les 24 heures du Mans. Et en gros, il a dépensé des sommes folles pour justement empêcher Ferrari, l'écurie Ferrari, de gagner les 24 heures du Mans avec la Ford GT. Et en gros, la Ford GT, c'est la voiture la moins rentable du monde. C'est The Voiture of the moins rentable. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été aussi peu rentables que celle-là. Mais la Ford GT a été l'une des voitures les moins rentables au monde. En gros, elle n'a rien rapporté à Ford. À part des ennuis. Et vas-y, pousse-moi, je te dirai rien. Même si je pense que tu dois te cheater, toi. Parce que étonnamment, tu étais devant tout le monde sans forcément avoir une voiture de ouf, quoi. Tu conduis comme un gros caca, mais t'es quand même deuxième, quoi. C'est un peu bizarre ça. De conduire comme une grosse merde et d'être deuxième. Le troisième. Même si moi je conduis pas très très bien. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, cet après-midi, ça sera du... Putain, mais il y en a un qui remonte là. Il y a un drivateur qui remonte bien comme il. Ce sera du Euro Truck 2. Mais non, mais arrêtez là. Putain, mais c'est pas possible ça. On a perdu à cause des deux clans. À moins que l'autre ait cheaté quand même. Ouais, bah non, je pense que le mec a cheaté sur la fin. On était à 1700 avant la fin.
temps que ça change. Mais 60 degrés. Mais ça, ça va changer, je pense, avec... Cool. Donc là, on est sur la deuxième course. On a déjà gagné les deux premières. On est pas mal. En fait, je suis sûr qu'ils ont fait exprès de foutre ça sous la flotte, histoire que ça glisse bien comme il faut. Il y en a que les drivateurs glissent que dalle. Là, on est pas mal. Bon, on est bien en termes de drivateurs, on est pas mal. Le truc, c'est que c'est ridicule, mais moi, en fait, je m'en fous d'être premier. Là, je m'en fous. Oui et non. C'est-à-dire que, tu vois, d'être premier là, ça me dérange pas plus que ça. Hein. Mais pour moi, tant qu'on gagne, l'équipe gagne, on est bon. Par contre, le truc, c'est que là, c'est peu... Faut pas... Enfin... Ah merde, y a le chat à la fenêtre. Après, si on perd ce point, c'est pas forcément très grave non plus. À 60% là, les mecs, va falloir monter un petit peu. Hein. On est pas mal, il faut encore un move de place là et puis on serait pas mal. Pas dans ce sens là. Mais quoi, on est qu'à 1500? What the fuck? Ouf! Oui, il a il a bouffé le mur. Sérieusement? Bon, bah... Je pense que c'est paumé. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il y a autant de trucs là-dedans? Non, parce que je...
Y'a pas un truc où j'avais bien réduit les machins et tout mettre dans des dossiers là? Ouais, enfin je revois un peu tout ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu de la merde là. Je sais pas. Bizarre. Ah ouais, celui-là c'est chiant. On part à l'assaut de la montagne là. Là c'est pas top là-bas. On va reperdre encore, mais faut arrêter. Aïe. Le truc c'est que ça me fait perdre beaucoup de vitesse ces conneries. Non on est bon, on est bon. Là pour l'instant on est pas mal. Nickel. On est pas mal. On est bon. Parce qu'on a gagné. Et midi. Ouais, on s'attend. Ben, je vais le faire maintenant, mais. J'ai 3 heures de. Ah non, 3 heures d'enregistrement, oui, maintenant.
Jaguar. On a gagné une Jaguar. Une Jag. Et puis on va voir ce qu'on gagne. On a une Audi TTRS. Ok. Et. Une Firebird. Mais j'ai pas vu ce qu'il y avait à gagner. Ouais, je l'ai déjà. C'est pas grave. C'est 3 wheel spin. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? 25 000. Génial. Que du bonheur. Donc, 2 chargeurs SRT. Ok. Je laisserai peut-être les moments. Donc, on va pas le faire, peut-être que c'est trop long. Je vous dis à la prochaine, c'était MF Simulator, je vous dis ciao ciao!